Bon, ben, il y a l'update d'Halloween Sock Zero. Fait que le channel select. La page que personne ne va jamais aller voir sauf moi. Le serveur select. Overall, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé les couleurs, genre. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ça, ce logo-là, si tu mets ton curseur dessus, il fait un petit sourire. Ça, c'est la même citrouille que l'événement d'Halloween dans le temps. Puis, si je me trompe pas. Ils ont mis le thème de Dark Lightning. Ok. Rien de nouveau en map. Ok. Bon, next, ça va être d'aller sur xero.gg. Je vais changer l'écran. Ça, c'est encore bleu. Ils n'ont rien changé. Puis ce qui va avoir changé, c'est la boutique. Ah, il y a du sang qui coule. Notre gunner est quand même hot. Bro, what the fuck, Calis? Pourquoi que vous ajoutez des shit de d'autres gogos? Créez vos propres affaires, Calis. Genre, ça c'est la deuxième affaire qu'ils ajoutent d'un autre jeu ou. Avant ça, c'était qu'ils avaient ajouté des shit de Star Wars, Calis. Là, ils ajoutent du Zelda. Je sais pas trop à quoi qu'ils pensent. Ça ici, Not gonna lie, ça c'est beau en tabarnak. Ouais. Ça, c'est hot encore lisse, ces deux-là, là. Je sais que c'est juste des reskins, là, que c'est rien de nouveau, fuck all, mais ils sont quand même beaux. Bon, Vampire Collection, ça ressemble à quoi, ça? Ça, c'est le set de base, mais genre... Juste avec une wild qui a une autre couleur. Les gants Rebellious, mais recolore. Puis ça, c'est genre... Jack the Ripper. L'autre couleur, ça donne quoi? Ah bof. Non, ça c'est horrible. Bro, bro, bro! On voit les gants qui dépassent des manches. Ils se sont pas fait chier là, genre. Ils se sont même pas dit qu'ils allaient modifier un peu les gants pour pas que ça dépasse. C'est horrible. What the fuck? Puis ils vendent 195 ZP, gang de raisins secs, mon homme. Puis le pire c'est qu'il y en a qui vont payer pour ça. Mais à quoi qu'il pense, Sti? Voyons! T'as ça dans ton équipe, là? Tu penses clairement que c'est un ennemi. Je suis désolé, c'est complètement stupide. Mon set pour filles, c'est pas mal la même chose que d'habitude. La face a changé, c'est la long tail d'une autre couleur. And will Sally, set de filles, je m'en calisse un peu pour être franc. Ça, c'est bof. Bro, sti, check, là, dans le jeu. Le petit bug de texture, là.
Oh, come on, asti, aucun effort. Ils sont même pas foutus de créer des nouveaux sets d'eux-mêmes, asti. Ils font juste des calls de recaller. Ça. Asti, j'ai l'impression de faire un trip d'acide en regardant le set. C'est là ton calice. Ok, la face, ça change. Pas trop pourquoi. Honnêtement, par contre, la couleur est sick. Puis ça va être quoi là? Man, c'est horrible. Puis ils font payer pour ça là. Décourageant. Bon. Anyways. On va aller faire une game. Puis après ça, ben, ça va être tout pour moi. Pour aujourd'hui. So, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? Event, gang de crise de far. Oh, le pity est plus bleu. Mais je s'en calisse, man. Event, CPD, 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 CPDB. Ça va être ça. Ça va être ça qu'on va jouer. VK, alright. Juste changer de capture d'écran to 0. Oh, le Fumbi aussi a changé. C'est plus le Fumbi, c'est une citrouille à faire. Ok. C'est plus multicolore, c'est vrai. Aïe aïe aïe. Autant que j'aime Xero pour plusieurs raisons, dont le fait que ben on peut encore jouer à S4 avec beaucoup de monde. Autant que le crise de concept de boutique qu'Ayurmi sont en train de faire exactement comme Aerio Games, tabarnak. Oh! Ils sont en train de faire exactement comme Aerio Games. Se couper plus de leur calice de magasin plutôt que faire des updates pour fixer des shit. Nice le 3 wall jump. Touchdown entièrement mérité. Nice tsar. D'accord. Par contre, son set est horrible à ça. Man, le Cotton Cat mauve avec les gros crises de cyberspace shoes là. Ouh. Dégueulasse. Dangerous. Defense, defense.
Oui, ça l'a pas tué, ça. Merveille. Ok. Il va être plus utile que moi. V5. Mais tant que zéro régleront pas leurs problèmes, c'est genre vraiment subi comme retour de conversation là, mais... Ouais, tant que Xero régleront pas leur problème de distance delay, je sais que c'est du lag en soi, là, mais genre, sur Xero, hostie que je le ressens pas mal plus que sur Spoilu classique. Ouais, je vais juste dire S4 League en fait, parce que ça c'est S4 Xero. Damn. Go hop. Ouais, parce que sur Xero, genre, honnêtement, le... C'est pas juste une affaire de rapidité d'internet que la personne a là. Le plus loin tu vas être de la personne qui est en face de toi, le plus de ping que tu vas le voir avoir. Ça, c'est en plus de sa connexion internet, si elle est pas bonne ou si elle est bonne. C'est vraiment chiant. Malheureusement, là. J'ai cru voir un petit problème de countdown. C'est spécial que personne ne touche. D'accord. Il est parlant de la nouvelle baffe, lui il l'a acheté puis il l'a eu. Genre, no shit, ça me dérangerait moins s'il avait gardé le système de paye pis tout. Parce que c'est quand ils ont remis les capsules que ça a tout chié. Genre, ok, fine, la nostalgie des capsules, mais genre... Merci, pense juste à le crise de poche. Je viens de remarquer qu'en passant ça va être une vidéo qui va s'intituler Commentary. Chose que ça fait longtemps, quand même. Un bon 5-6 mois. Peut-être même plus, je sais pas. Anyway, je m'en calisse, c'est pas grave.
Je préfère amplement faire juste des vidéos sans commenter parce que. Man, asti, ça a pas changé d'arme, tabarnak. C'est tout, ça gosse. Des fois, j'avais fait un clip, asti, pis que ça avait pas rechangé d'arme. Dans le fond, le clip, j'avais la dague, j'ai switch sa PS, je voulais re-switch sa dague, mais ça a gardé la PS, pis là, ça a fait un stun. Fait que là, je me suis mis à chialer. Comme. Ben souvent, chialer, parce que Xero est buggé à mort là-dessus. Ça et tout, c'est un autre problème qu'il y a. Ça, honnêtement, ça gosse en sacrament. Je comprends pas des fois. J'ai l'impression que je vais toucher puis ça touche pas. Puis d'autres fois, je touche puis je suis en what? Ça aurait jamais touché. Belle macro de ça. Absolument impossible si tu sois. Bro, c'est quoi? Genre ça là, un autre problème. What the fuck, Alice? Il y a un autre problème que j'ai tout, tant qu'à être dans le sujet des problèmes de Xero, c'est le... Quand j'arrive pour courir comme ça, des fois j'appuie sur deux fois sur W. Man, STS de BS. Putain, ma calice. Ça c'est voulu. Oh man. J'espérais que ce soit au moins quelqu'un de l'équipe qui l'aime, mais whatever. Mais ouais. Quand je veux, j'appuie deux fois sur W, des fois ça court même pas parce que le jeu il est genre. T'as trop appuyé vite ou je sais pas trop. C'est de la grosse carrière dedans. Ça serait à fixe aussi. Genre si on remarque là, ils ont fait un. Peux-tu appeler ça un patch ou un update? Si je sais pas. Ils ont fait de quoi pour Halloween? Mais si on remarque en bas à droite, le. La date a pas changé du dernier update. C'est encore 23 février 2022. Genre, il pourrait honnêtement faire plus d'updates que ça, plus fréquent, faire, je sais pas moi, des balance patch au moins aux semaines, au mois, par pitié, mais là c'est genre, t'as rien collé ou presque, t'sais, genre, il y a quelques patchs qui appellent, qui ont post sur le site. Bon, il y a quelques patchs, excusez, j'étais vraiment concentré à faire ce petit combat là. Il y a quelques patchs qui ont mis post sur le site, mais c'est genre vraiment mineur ou genre des affaires qui on s'en calisse totalement. Puis ils donnent aucune nouvelle sur qu'est-ce qu'ils font, esti. Ça, c'est vraiment fatigant. Honnêtement, là. Il y a beaucoup de travail à faire sur, là-dessus, mais selon moi, ça se passera jamais. Ils sont même trop occupés à faire des hosties de reskin. Oui. Reset! Come on, man!
Ok. Le fun à être body par genre 4 personnes. Tout le temps plaise. Reset. Thanks for your help. C'est tout, c'est le fun. Honnêtement, cette recovery là, j'étais comme pas d'accord d'avoir réussi à faire mon airwalk parce que je me suis juste enroulé dans mes doigts. J'ai fait pas mal n'importe quoi. Man, a petit counter sword de marde. Arme la plus polyvalente du jeu. Qui est déjà assez open même. Damn, encore un 3 wall jump. Mais... On vient de voir que le match y arrive à sa fin. Je suis désolé de... du gameplay médiocre que j'ai fait pendant que je jouais. Je suis désolé et tout. D'avoir un mood chialeux ces temps-ci par rapport à Xero. Il arrête pas de faire des shit qui me déçoivent, qui déçoivent, qui me déçoivent, qui déçoivent encore. Fait que genre. Je sais pas là, c'est juste normal pis humain de réagir de même selon moi. Genre, t'entends mieux s'il y en a qui continuent à jouer au jeu pis que. Ben, Xero pis qu'ils adorent ça, les reskins pis. Qui dépensent leur argent là-dedans parce que oh, ils aiment ça, mais genre. Moi, je trouve ça désolant. Absolument désolant. Check. Je parle. Avant de finir la vidéo, la game est finie, mais je veux juste montrer un autre truc. Comme je parlais tantôt, en bas ici, c'est écrit 23 février 2022. Si on va voir. Ouais, sur Xero. Ici. Puis qu'on va dans News. Ok, général, les nouvelles, genre, ok, fin Halloween. Là, c'était les gagnants du concours de dessin d'été After Dark. Ici, c'est le shit que je parlais, genre, que ben, il y avait les sorts blazers, là. Pire idée ever, selon moi. Ça, c'était le After Dark. Ça, tu sais, genre. Ça. 4 mois. Ça, c'était. On s'entend 4 mois, on remonte octobre, septembre. À août puis juillet, ça c'était en juillet, man. Avant ça, l'autre affaire qu'il y a eu avant, c'était Twitch puis Discord intégration. Dans le fond, tu peux link ton Twitch puis ton Discord, ça date d'il y a 9 mois. Après ça, il y avait les gagnants du concours de Noël pour le dessin, l'annonce de ça, puis avant, la première page, c'est genre des affaires de 10 mois. C'est pas tant que ça, honnêtement. Puis le patch note, checkez ça. Il y a 23 jours. Genre, ils ont modifié quelques armes, ils en ont enlevé quelques-unes. Ok. Moi, honnêtement, ça m'a fait chier parce que la Sigma, ils l'ont enlevée. Puis la Sigma, ben, en DM, je l'utilisais. Fait que ça fait une deuxième arme en DM qui m'enlève.
Fait que je joue plus DM depuis ce temps-là. Puis avant ça, l'autre patch note qu'il y avait eu, c'est v'là 6 mois, asti. Encore des patchs, gogos, whatever. J'en check. Nedon 3, ils ont centré puis mirrored les spawn positions. Ils ont mirroré l'outside des warehouses. Genre, c'est tellement des shit qu'on s'en calisse. Tu peux faire mieux. Puis avant ça, c'est v'là 2 ans, asti. Genre, whatever. Bon, sur ce, c'était Tabic pour le commentary. J'ai aucune idée. Je suis rendu à quel, combien. Combien de temps? Je pense que c'est genre le commentary 20, 21, je sais pas. Mais ouais, c'était une session discussion chiolage, si on veut. Fait que j'espère que vous allez avoir aimé la vidéo quand même, même si... Moi, ça me... Je suis pas dans un bon mood quand je fais ça, mais anyways. Sur ce, bonne journée. Ciao.